La mission de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui devait arriver ce lundi en Guinée-Bissau, a été annulée par le gouvernement nommé par Oumarou Sissoko Embalo. Dans une note, le gouvernement du Premier ministre, Nuno Nabiam, dénonce une ingérence et une atteinte à la souveraineté de la Guinée-Bissau. Au vu de notre constitution et du traité de l'organisation sous-régionale, cette mission n'est pas la bienvenue. Et nous ne permettrons aucune délégation sans consultation préalable avec le gouvernement dirigé par Nuno Gomes Nabiam. Des dispositions sont en train d'être prises pour permettre aux organes souverains d'assurer leur mission de défense et de sécurité dans le pays. Le nouveau gouvernement a également annoncé le départ des forces de la CEDEAO et COMIB, considérées comme une force d'occupation dont la mission devrait s'achever à fin mars. Cette décision fait suite à la lettre envoyée par la CEDEAO à Aristide Gomes, premier ministre reconnu par la communauté internationale, qui demandait une rencontre avec la mission d'experts constitutionnels pour aider à trouver des solutions à la crise. Bon, je pense que c'est un constat d'échec de la CEDEAO. On se rend compte que le président Embalo s'est presque autoproclamé, sans attendre la Cour suprême. Donc aujourd'hui, c'est Embalo et l'armée qui sont en train de dicter leurs lois. On se rend compte même que la CEDEAO est divisée. Les chefs d'État penchent plutôt pour Embalo. La délégation de la CEDEAO devait rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale. Habilité à confirmer les résultats du second tour de scrutin validé par la Commission électorale nationale, la Cour suprême garde toujours le silence. Le blocage reste donc total face à deux camps qui prônent chacun sa légitimité.